Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une présentation courte. Bah oui, nouvelle résolution pour 2018. Quoi qu'on n'y est pas encore, tiens, je préfère une présentation de 2 heures. Non, allez, nouvelle résolution pour 2018. Annie doit faire des présentations plus courtes. Donc, que va-t-on voir aujourd'hui? Ou alors, je vais les faire aussi longues, mais vu que je vais parler beaucoup plus vite, elles seront plus courtes. Enfin, je vais voir. Nouvelle présentation. Ouais, courte. Allez, courte. On va voir quoi? On va voir Endless. Il y a la partie hardware et la partie software. Endless, c'est un projet. On va voir ça ensemble. C'est quoi comme projet? Tout d'abord, j'ai déniché un article pas mal sur ma vie Linux. Site, enfin blog entre autres que je mets en avant sur le site, le blog blabla Linux. Vous lirez, c'est pas mal. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Deuxième article, pas mal. Article qui se trouve sur minimachine.net. Le site perso, j'y vais pas trop, même jamais. Mais voilà, il m'a permis de me faire une idée sur ce qu'était le projet Endless. Et surtout, il y a un lien dans le bas, Kickstarter. Bah oui, Kickstarter. En disant ça, comme vous l'aurez compris, Endless, c'est un projet qui a fait son apparition sur Kickstarter. C'est pas un nouveau projet, hein. Je pense qu'il est sorti en 2014, même, enfin 2015 sur Kickstarter. Et le projet, en fait, c'est quoi? Bien, il voulait récolter des fonds, hein, pour pouvoir fournir dans les pays en voie de développement des machines neuves, je dis bien neuves, pas reconditionnées, donc des machines neuves à bas prix. Vous allez voir, les prix, c'est en dessous de 100 euros. En dessous de 100 euros, et on peut monter, je pense, jusqu'à un peu plus de 200 euros. Ouais, non. C'est entre 100 et 250 euros. On va aller voir après. Donc, c'est ça le projet. Mais ils font tout de A à Z. Donc, les bécanes, mais en plus, ils fournissent un OS. Donc, il y a Endless Computer, ce sont les bécanes, le hardware. Et il y a Endless OS, c'est la partie logicielle, donc le système d'exploitation. Qui, lui, est basé sur Fedora pour l'OS et pour l'environnement de bureau GNOME 3. Ça, j'y reviendrai un peu après. Ce qui est intéressant de voir, hein, je descends, vous lirez, hein, c'est pas mal, c'est que, voilà, il y a 3 bécanes de proposer, une à 169, une à 189, une à 229. Alors, comment s'y retrouver? Celle à 169. 32 Go d'espace de stockage. Intel Celeron N807 en dual core, pas quad core. Moi, je travaille ici au bureau, j'ai du Celeron en N800, mais pas des 807 un peu plus haut, ou des N900, c'est des quad core. 2 Go de RAM, 32 Go eMMC, donc au niveau de l'espace de stockage, et un device SD. On a une entrée HDMI, une entrée VGA, on a un port USB en 3.0, deux ports USB en 2.0, on a un RJ45 en gigabit, et on a une prise jack pour l'audio en 3.5. Ça, vous l'aurez pour 169. Maintenant, pour 189, vous aurez la même bécane, mais en plus, vous aurez un combo Wi-Fi Bluetooth plus un speaker. Je tiens à préciser que chaque bécane est fournie avec son adaptateur secteur de 29 watts et un câble HDMI. Maintenant, si on veut aller plus haut, là, si on met le paquet pour 229, ben en fait, les specs changent pas. C'est juste que vous passez sur du HDD de 500 Go, et que, bien entendu, d'office, vous avez le combo Wi-Fi Bluetooth et le speaker. Voilà. Maintenant, si vous voulez participer, si vous donnez 500 euros, vous avez une bécane pour vous. Et en plus, vous donnez une bécane. Vous faites profiter à quelqu'un d'une bécane. Pour 2000 euros, vous équipez une classe. Pour 5000 euros, c'est pas une classe que vous équipez, c'est une école. Et pour 10 000 euros, bah alors là, on équipe une ville entière, hein, un pays, enfin, je sais pas. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc ça, c'est le projet sur Kickstarter. Projet dans sa globalité, mais qui, voilà, plus du pour le côté hardware. Maintenant, si on veut parler du côté software, il y a une page qui est dédiée, endlessos.com. Ouais. Alors, je rappelle, c'est une base Fedora. Le choix est un peu bizarre. Je pense qu'il y avait d'autres choix plus judicieux. Maintenant, attendez, je n'ai pas fini.
Ça, c'est la première chose. Je trouve que le choix de la base OS est un peu discutable. Mais alors, le choix concernant l'environnement de bureau, donc la base de l'EB, est un peu discutable aussi. Bah oui, c'est une base GNOME 3. C'est du GNOME 3 revampé. Pour la base OS, je comprends pas. Maintenant, voilà, on n'est pas dans le secret des dieux. Ces gens ne sont pas des neuneux. Hein. Ils ont réussi à mettre un projet sur pied. Je pense qu'il est toujours d'actualité. Donc, ils ont mis. Voilà, quand c'est un projet dans. Allez, complet. On parle de la mise sur pied de bécane. Donc, là, on parle de hardware, mais on parle aussi de software. Hein. Même si certains vont dire, les mauvaises langues, ouais, mais bon, software, c'est pas dur, un Linux, on peut s'approprier un Linux. Ben ouais, mais c'est ça, Linux, c'est génial. On peut se l'approprier, on peut même le vendre. Voilà. Donc ici, ben, ils ont pris une base Fedora, une base GNOME 3 pour le B. Ben voilà. L'SOS est né. Maintenant, vous allez voir, il était totalement revampé. Oui, je pense savoir pourquoi la base GNOME 3. Sérieusement, je pense savoir pourquoi. Par expérience, quand j'essaye de promouvoir Linux à certains clients, c'est bien simple. Quand ils disent, OK, on vous fait confiance, on tente l'expérience, et que je sors de mon chapeau, je vais le dire tout bas, magique, quelques distributions, c'est bien simple, ils plongent toujours sur quoi? Sur Ubuntu avec son environnement Unity, enfin, qui n'est plus là. Mais donc, j'en viens, et les gens, enfin, les lambda, chez moi en tout cas, ce qu'ils apprécient, donc c'est Unity, c'est GNOME 3. C'est Budgie, ah ben, Budgie, ben, on parle encore de GNOME. C'est Deepin, ah ben, base GNOME. KDE, voilà, tout ce qui tape à l'œil. Même si je viens leur dire, ouais, mais c'est beau, mais niveau technique, c'est pas. Ils s'en foutent, c'est beau. Voilà. Et je pense que Linux, s'ils veulent percer dans le monde du desktop, il n'y a rien à faire, il faut en mettre plein la vue. Voilà, il faut que ça aille, attention, on est d'accord, mais il faut en mettre plein la vue. Voilà, maintenant, histoire de goût, hein. Voilà, si on parle de macOS, ben c'est beau. C'est beau. Si on parle de l'environnement Windows 10, ben ça, c'est goût et les couleurs, mais perso, c'est beau. Voilà, ben, il faut que Linux soit beau. Ok? Et éviter la dispersion. Ce n'est que mon avis, mais là, je m'éparpille. Donc, si vous voulez télécharger Endless OS, Free Download. Alors, ça, c'est génial aussi. Pour les utilisateurs Windows, vous allez pouvoir rapatrier un petit point exe, tout petit. Et une fois lancé, tout va le petit point exe va aller chercher tout ce qui va bien en ligne. Et alors, vous allez pouvoir installer Endless OS sur un disque non système ou même sur un device USB. Ouais. Donc, vous allez pouvoir installer ça sur un disque HDD interne ou externe. Et même sur une clé USB. Pour les utilisateurs de Linux ou de Mac, ouais, Linux ou Mac, eh bien ce sera un fichier torrent à rapatrier. Et attention, vous allez faire une drôle de tête. Vous voyez que je vous montre le poids de l'image ISO. Voilà. Si vous voulez l'image ISO en française, ben vous aurez 8,78 Go à rapatrier. Voilà. Ouais, je l'ai. Je l'ai, je vais bien vous la montrer. Donc ça, c'est fait. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Je vais aller chercher mon gestionnaire de fichiers qui va bien. Disque HDD externe USB 3 de 1 Tera. Non, suite 500, pardon. ISO. Linux. Endless OS. Et voilà l'image ISO qui fait 9,4 Go sur le disque. Ok. Donc, VirtualBox. Donc base Fedora, 4 Go de RAM octroyée. Ouais, je virtualise sur un petit Intel i5 de troisième génération, 3320M. Oui, un dual core, juste un petit dual core. Comme quoi, on peut virtualiser avec des machines ne disposant que de très peu de ressources. Je dis ça comme ça, hein. Comme ça, parce que certains disent que Annie peut se permettre de virtualiser parce qu'il a le matos qui suit. Ben non, ici c'est un petit 3320M Intel i5, donc de troisième génération, un petit dual core. Oh ben oui, hein. Vous voyez, ça va bien. Allez, on y va. Ouais, merde, c'est parti sur l'autre écran et pourtant je voudrais bien vous montrer.
Voilà, la petite animation qui va bien. Endless OS. Ah, on peut pas nier, hein, c'est du gnome. Hein. Alors dans le bas, l'appelé accessibilité, l'appelé réseau, l'appelé son. Alors pour éteindre et démarrer. Alors ça, je sais pas c'est quoi. Ben, oui, je le dis tout de suite. Je connaissais uniquement de nom Headless, tout court. Les desktops connaissaient de nom et OS, Endless OS, de nom. Mais je n'ai jamais fait jeu avec. Donc j'ai téléchargé une ISO tantôt, je me suis créé une VM. Je l'ai juste lancé, voir si tout allait, voilà, j'ai fermé, donc je découvre avec vous. Donc ça, compte partagé, je ne sais pas. Voilà. Blabla Linux, le mot de passe qui va bien, qui est blabla. Je valide par entrée ou enter, et voilà, le desktop. Ah, vous allez être un peu dérouté. J'ai été dérouté tantôt quand je l'ai vu. Voilà, ben ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, toutes vos applications se trouvent sur le bureau. Voilà, toutes vos applications sont là. Hein. Ok, alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, Endless OS est gratuit, free, mais il n'est pas. Voilà, pour les puristes libristes, caca. Ah ouais, parce qu'ils n'embarquent pas que des logiciels libres, loin de là. Ok? Donc toutes vos applications sont là. Est-ce que le clic gauche, la sélection, donc clic gauche sur le bureau fonctionne? Non. Est-ce que le clic droit fonctionne? Oui. Modifier l'arrière-plan, ajouter une application, ajouter un site, ajouter un dossier. Tout est fait pour faciliter l'utilisation. Donc toutes les applications sont là. Soit elles sont simplement posées comme ça sur le bureau, ou alors elles sont posées dans un répertoire créé, qui est du plus bel effet. Bah ouais, c'est du GNOME 3. Ok, on a une zone de recherche. On va voir si ça va bien. Terminal. Ouais, c'est bon. Maintenant, il y a un truc qui me chiffonne. Attendez. Où est le terminal là-dedans? Alors, je suis désolé, j'ai pas accès à toutes les applis là. Non, 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 non. J'ai pas accès à toutes les applis. Parce que je suis désolé, je vois pas de terminal, hein, on est d'accord. On est d'accord, je ne vois pas de terminal. Ah oui, alors j'ai oublié de dire, pourquoi une image ISO aussi conséquente? Et tout simplement que, vu que ces machines sont prévues pour les pays en voie de développement, qui dit pays en voie de développement dit peu, voire pas du tout de connexion Internet, donc l'image ISO englobe pas mal d'outils. Que ce soit d'outils de culture, d'outils éducatifs, d'outils de jeu. Donc, apparemment, toutes les applications ne sont pas disposées sur le bureau. Non, puisque si je fais terminal, j'ai bien accès à un terminal. On est d'accord? Et le terminal ne se trouve pas ici. On va voir après. Alors, ici, ça sert à quoi? Regardez, je vais démarrer document. C'est un raccourci vers document, mais c'est le gestionnaire de fichiers qui s'ouvre. Voilà. Si je clique là, je rabats toutes les fenêtres. On est d'accord? Ici, c'est pour avoir un aperçu de toutes les tâches, donc de toutes les fenêtres ouvertes, pour avoir un aperçu miniature. Voilà. Moi, je clique parce que je suis en VM, mais sinon, c'est un hot corner réactif. Hein. Donc, on place sa souris et normalement, ça doit fonctionner. D'accord? Le clic droit, alors, donc ça remplace le bouton principal du menu des applications. Ah, attendez un peu. Ah ouais, là, ça c'est ok. App Center, on va aller voir. Ça, ce sont les raccourcis. Google Chrome, document. Clic droit sur le panel, rien. On a l'appelé réseau qui nous donne accès à la catégorie tous les paramètres. Alors ouais, ben c'est l'appelé réseau, l'appelé son en même temps. L'appelé, j'appelle ça, qui représente l'utilisateur actif. Blabla Linux. Ah, ça nous donne accès aussi au compte en ligne, au centre d'aide, fermer la session, verrouiller, éteindre. Et alors, l'appelé heure, calendrier. Et notif. Ouais, et notif. Alors, première chose, ben oui, hein, c'est quoi? C'est tous les paramètres. Et là,
Ben voilà, c'est du gnome. Enfin, c'est du gnome. Non, on voit bien là que c'est une base. Ouais, base Fedora. Ouais. Arrière-plan. Arrière-plan. Qu'est-ce qu'on a comme arrière-plan? Moi, ben, des trucs qui viennent du monde gnome. Hein. Des wallpapers qui viennent du monde gnome, je pense. Donc, papier peint, image, couleur. Allez, j'ai dit présentation courte. Même chose pour l'écran verrouillé. Côte en ligne. Rien de bien nouveau. Confidentialité. Alors, les notifs. Payer langue. Rechercher Bluetooth, clavier, couleur, écran, énergie, imprimante, réseau, son, souris et pavé tactile, tablette Wacom, accès universel, dateur, détail. Oh, une telle Core i5 3320M. 2,60 au niveau de la vitesse horloge CPU. 2 cœurs seulement? Non, c'est pas vrai. Putain, je virtualise avec ça. Ah ben merde. Faut tout pour faire un monde. Hein. Mais voilà, moi je virtualise parce que j'ai bien les moyens. Par contre, moi je pourrais me dire que certains ont bien les moyens parce qu'ils arrivent à dédier une machine uniquement pour des installations en dur de Linux pour leur présentation. Vous voyez, on peut voir ça comme on veut. Hein. Alors, partage. Ok, utilisateur. Ok, mouais. Rien de bien nouveau. Maintenant, allez, on va s'amuser un peu. Document. Last, si je fais un clic droit, ici. Clic droit sur le raccourci, qu'est-ce qui se passe? Détaché de la barre des tâches. Ah, donc attendez, ça m'intéresse. Si je fais un clic droit. Ah, nouvelle fenêtre, supprimer du bureau. Nouvelle fenêtre, supprimer du bureau. Mais alors, si je vais épingler quelque chose, je fais comment? Clic gauche maintenu. Je glisse sur le panel, je lâche. Non, rien. Rien. On est d'accord. Je n'ai rien vu pour personnaliser le panel, hein. Je vois rien. À moins que. Ben non. Non, 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 c'est pas ici, c'est bizarre. Modifier l'arrière-plan. Ajouter une application. Ajouter un site. Ajouter un dossier. Ajouter un dossier, admettons. Essai. D'accord, j'ai mon dossier. Je l'ouvre. Aucune application dans ce dossier. Pour ajouter une application, glissez-la sur le dossier. Ah, cool. Donc si je fais musique, que je glisse. Yeah, la musique est dedans. Et si je veux l'enlever maintenant, clic droit. Nouvelle fenêtre, supprimer. Non, 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 je ne veux pas supprimer. Ah ouais. Clic droit, supprimer bureau. Essai a été effacé. Donc ça, c'est notif. Ça veut dire que si je vais là, là. Ah ouais, elle est déjà partie. D'accord. Ok. Ouais. Donc on va voir ce qu'il y a comme appli. On a Google Chrome. Ça se lance. Définir Google Chrome comme navigateur par défaut. Envoyer automatiquement. Non. Statistique, non. Ok. Ok. Non, merci. Donc apparemment. Ouh. Ça, c'est de la personnalisation. Hein. Découvrir. Journal. Favori. Historique. Ok. Et je vois un E là. Exploration Center. Gérer les extensions. Qu'avons-nous? Exploration Center. Je ne connais pas. Ah, ben si, apparemment, l'Exploration Center, c'est ça. Voilà. Ça doit être ça. Découvrir, reprise, actualité, sport, éducation, santé, divertissement, journal, reprise, actualité, sport. Ok, ça doit être ça. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Maintenant, j'ai déjà ouvert Chrome et documents. Mais alors, il y a un petit point qui se met, hein, regardez. En dessous du raccourci. D'accord, mais si j'ouvre autre chose. Écriture, ça doit être Writer. Parce que LibreOffice est installé. En version 5. Point, je sais pas combien. Ah, ok. Alors, ah, mais là, je peux peut-être l'épingler maintenant. Clic droit. Voilà. Il faut que j'ouvre l'application pour pouvoir l'épingler à la barre des tâches. D'accord. À propos de LibreOffice, 5.4.1.2.0. J'adore les numéros de version à rallonge, tableur, présentation, encyclopédie. Tiens, ça m'intéresse. Encyclopédie. Donc,
Je tiens à rappeler que je pense qu'on peut installer Endless sans accès Internet. Ouais. Et on peut utiliser, en théorie, Endless sans connexion Internet. Encyclopédie, je sais pas moi. Lune. Mais ben pourquoi pas? Moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial pour les pays en voie de développement d'avoir une machine neuve à ce prix-là avec un vrai OS. Quand on pense que, et c'est véridique, hein, dans certains pays en voie de développement, une tablette low cost, c'est véridique, hein, ils vont la payer plus cher qu'une de ces bécanes-là avec un OS qu'on ne peut même pas appeler OS. C'est un OS mobile. Et ici, ils ont du vrai hardware, certes, peut-être peu performant, mais c'est voilà, c'est quand même voilà, c'est du Intel Celeron, du Alcor, 2 Go de RAM, et avec une base Linux, donc OS Fedora, environnement de bureau, GNOME 3. Mais moi, je trouve ça pas mal. Et alors, bah, tout peut fonctionner apparemment sans connexion Internet. D'ailleurs, je devrais faire ceci. Voilà, je déconnecte la carte réseau. Alors, obtenir. Ah, obtenir VLC. Ah ben oui, ben là évidemment, là il va falloir le réseau. Ok. Ah ben voilà le App Center. On va aller voir après. Facebook. Ouais, évidemment, ben oui, là il me faut une connexion. Il faut une connexion. Mais apparemment, dans le site, il disait que pas tout, mais là, les trois quarts des outils pouvaient être utilisés sans connexion. Beaucoup de points HTML, tout ça, se trouvaient intégrés à l'ISO. Admettons, obtenir VLC. Ben oui, je le veux bien. Allez, je clique sur installer. Ça démarre en tout cas. On va en profiter. On va revenir en arrière. Et voilà le App Center. Tout ce qui est disponible. Ce qui est installé. Ah, et je peux désinstaller. Alors par la même occasion. Ça c'est génial. Et alors, bah, ici, ce sera les mises à jour. Il ah, y a des mises à jour à faire. Pourquoi pas. Tout mettre à jour. Tout. Et alors voilà, mise en avant, apprentissage. Références et nouvelles, jeux, multimédia. Travail. Utilitaire. Outils de développement. Voilà. Alors, ben je vais le rabattre. Voilà. J'ai rabattu, mais. Ah, voilà, ok. D'accord. Facebook. Ouais, c'est sûrement une page de Chrome qui va s'ouvrir. Voilà, ok. Ouais, c'est une page web qui s'ouvre, en fait. C'est pas une application Facebook. C'est un raccourci en fait. Ah, VLC est maintenant installé. Cool, donc là je dois voir la notif. Ouais. Nickel. Alors. Et la mise à jour. Ah, ben voilà, tout à jour, c'est bon, ça fonctionne. WhatsApp, ben même chose, hein. Okay. YouTube, pareil. Je pense que quand il parlait de pouvoir utiliser Endless OS sans connexion au net, c'est tout ce qui est encyclopédie, tout ça, je pense. Ou tout ce qui est éducatif.
dans l'OS. Alors ici, Média, qu'avons-nous? Éditeur de photos. Oh, en tout cas, ça présente bien. Voilà, ça présente pas mal. Alors, qu'avons-nous? Photo. Ah ben c'est Shotwell. Et voilà, ils vous ont même mis des photos. Voilà, au moins on voit un peu comment fonctionne et comment présente Shotwell. Ouh, choisir l'une de vos photos pour commencer. Ah, génial. Ben voilà, c'est cool. Pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Obtenir Spotify, vidéo, TuxPaint, éditeur audio, donc c'est Audacity. Ouais, Audacity est de la partie, c'est génial. Gimp ou Gimp pour les intimes. Et oui, en mode fenêtre unique ou pas? Je pense que oui, on va voir. Et alors, que se passe-t-il? Ah, je vois Audacity qui est là. Voilà, pardon. Ok, et je vois Gimp ou Gimp qui devrait plus tarder. Allez, nouvelle résolution, Gimp. Dans une VM, tu te lances un peu plus vite. Mais là, apparemment, je sais pas. Ah, pardon. C'est moi qui avais caché. Mode fenêtre unique. Ok. Média, je pense que c'est tout. Curiosité. Ah, traduire. Traducteur. Mais je trouve ça sympa, moi, cette distro-là. Ouais. Voilà. Mais il faut la laisser. Voilà. Il faut qu'elle continue à être utilisée dans le but pour lequel elle a été créée. Donc, pour les ordinateurs headless ou alors pour du reconditionnement informatique. Voilà. Mais pas, perso, moi, voilà, je l'utiliserai pas. Mais dans le contexte des pays en voie de développement, donc de fournir du matos pour les pays en voie de développement ou pour le reconditionnement informatique, là, je pourrais l'utiliser. Pour un utilisateur aussi qui ne sera pas trop, comment je vais dire, qui n'en voudra pas trop au niveau de son système. Duolingo, les jeux, on va pas lancer les jeux, social, Twitter, email, ah, ce sera quoi? Ah, évolution, ok, social, obtenir Skype, ah, ce sera l'application, ce sera l'application, nickel, merde, je me trompe, social, Gmail, ok, un raccourci vers Gmail. Minifest, c'est quoi ça? Ah, c'est un jeu. Ok. Musique. D'accord. Pourquoi pas. Rhythmbox. Et... Il y a déjà... C'est déjà dedans. C'est quoi ça? Bah oui. Propriété. Ok, il y a de quoi s'amuser. Mais alors, ce qui me tracasse, ben oui, c'est... Attendez, j'essaie quelque chose. Donc, terminal, on a... voyez, voilà, en fait ça c'est un peu chiant. Ou alors il y a quelque chose que j'ai pas saisi. Je pense, voilà. Pour voir ce qu'on a comme application, eh bien il faut aller dans, voilà, l'onglet installer. Et voir ce qui est installé. Et il y en a. Oh, regardez, tout ça c'est installé. K-Atomic, K-Block.
Regardez, il y a tout ça d'installé. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il ne donne pas un accès plus facile à ce qui est installé? Ça, c'est dommage. Ou alors, il y a quelque chose que j'ai pas saisi. Parce qu'ici, je suis dans le gestionnaire de soft. Ah, et les applications système, calculatrice. Donc, regardez, c'est-à-dire qu'on est d'accord, on a bien une calculatrice. Donc, ben oui, elle est là. Ok. Bras zéro. Voilà. Ben voilà comment je dois trouver mes applis alors. Ça, par contre, ça ne va pas. Capture d'écran, cheesy, contact, tout ça est installé. Mais alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir un accès plus facile à ce qui est installé? Sérieusement? Ou alors il y a quelque chose que j'ai pas compris. Hein? Ou alors il y a... Plus d'app. Mais oui, mais je vais vers l'App Center. Quoi? Ou alors, voilà, il faut faire comme ça. Ah, je veux, je sais pas, moi, regardez, allez. Si, par la zone de recherche, mais si je ne sais pas ce qui est installé. Allez, je veux Gedit. Ben, je clique, voilà, lance-le-moi. Non, ça va pas. Ou alors, voilà, il faut installer un... Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on ne peut pas personnaliser la barre des tâches. Ou alors, il y a quelque chose que j'ai pas... J'ai pas tout saisi. Voilà. Enfin, comme ça, vous aurez une petite présentation d'Endless OS. Ben écoutez, tout ce que je peux dire, c'est que en VM, avec deux petits cœurs, 4 Go de RAM, 64 mégas de mémoire vidéo et l'accès aux capacités 3D de la carte graphique, qui n'est jamais qu'une Intel HD 4000, sur un SSD, ben ça fonctionne pas mal. Voilà, donc faites-vous votre propre idée. Je suis pas le mec qui va imposer mes choix ou mon idée ou mes idées. J'espère que la présentation vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis bye bye et à une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Allez, ciao.